Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ces personnes ne sont pas des pompiers, mais des habitants de Girolata. Fréquence ventilatoire à 120. Nous allons vous mettre sous oxygène pour que vous respirez mieux. Ils sont une quinzaine à avoir reçu une formation de premier secours et intervention contre le risque incendie. Le but, agir sans délai en cas d'accident. On a appris beaucoup, beaucoup de choses, les positions qu'il faut faire quand il y a un malaise cardiaque, en PLS, les plaies de l'abdomen, demi-assis, plier les genoux, c'est les massages cardiaques. Bon les amis, voilà, je vous ai apporté du matériel incendie, du matériel pour le secours à personne. Un kit vital pour la commune, situé à 45 minutes en bateau et 2 heures de marche de Porto, accueillant plus de 1500 visiteurs par jour en pleine saison. Très surpris de ce public sur Girolata, où on sent vraiment l'isolement et l'éloignement des secours, où pendant cette formation, on a eu beaucoup, beaucoup de questions et où il est ressorti beaucoup de positifs. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a des secours sur la commune de Girolata. Il s'agit de la première réserve communale en Corse du Sud, créée à l'initiative du conseil municipal et d'habitants volontaires. Ce que j'apprécie dans cette initiative, c'est l'engagement citoyen. En cas de crise cardiaque, les premières minutes sont essentielles. Un cerveau non irrigué, au bout de 3 minutes, a des dommages irrémédiables. Donc il est évident que plus il y aura de gens qui seront prêts à porter secours immédiatement, à lieu de proximité, donc gage d'efficacité, c'est comme ça qu'on gagnera la guerre des secours. Des engagements citoyens qui ont déjà fait leurs preuves en Haute-Corse. Après une saison des feux 2017 particulièrement difficile, les pompiers espèrent que ce type de formation se multipliera à l'avenir. Thank you.